Il est le candidat de la France insoumise à la prochaine élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrive en Guyane. Demain, une visite de 6 jours à la rencontre des acteurs locaux. Juste avant son départ, il s'est exprimé sur la situation sanitaire, sociale en Guyane et l'emprisonnement des 4 militants de l'UTG et d'Essai Sans Frères. On l'écoute. Ce sont des peines, à mon avis, disproportionnées. Ce n'est pas une bonne chose de brutaliser les gens et je me sens solidaire de ces syndicalistes parce que ce sont de braves gens qui agissaient avec le sentiment d'agir dans l'intérêt général. Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des incendiaires. Ils n'avaient pas du tout l'intention de ficher le feu au bâtiment. Par conséquent, je crois qu'ils méritent d'être respectés et que tous ceux qui ont un bout de l'autorité publique doivent contribuer à apaiser et voir comment on fait, comment on discute.